10 destinations de rêve pour un nouveau départ. Découvrez les meilleurs pays du monde pour commencer votre nouvelle vie en 2023 à 2024. Vous en avez assez de la routine? Vous rêvez d'un nouveau départ? Vous n'êtes pas seul. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite, beaucoup d'entre nous aspirent au changement et à la possibilité de prendre un nouveau départ. Mais il y a un hic, il ne s'agit pas de n'importe quel changement, mais d'une transformation qui change la vie, qui change les règles du jeu, qui vous fera vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Alors, prenez votre passeport et attachez votre ceinture, car nous allons vous emmener dans une visite éclair des 10 pays où vous pourrez commencer une nouvelle vie en 2023 à 2024. Mais accrochez-vous bien, car en cours de route, nous découvrirons les réalités économiques qui font de ces destinations non seulement un rêve, mais aussi un choix judicieux pour votre avenir. 10 pays où vous pouvez commencer une nouvelle vie. Si, pour une raison ou une autre, votre mode de vie actuel ne correspond pas à vos objectifs ou si vous ressentez simplement le besoin de changer de vie, cette vidéo pourrait vous inspirer. Commencer une nouvelle vie ne signifie pas nécessairement changer de nom et déménager à l'autre bout du monde. Il suffit de déménager dans un nouveau quartier ou une nouvelle ville pour y parvenir. Il s'agit de rencontrer de nouvelles personnes, de rechercher de nouvelles opportunités et d'être à la recherche du bonheur. Le temps file, le monde tourne encore. Voici, sans ordre particulier, 10 pays où vous pouvez commencer une nouvelle vie. Pays 1. Les Bahamas. Les Bahamas font partie des quelques pays qui n'ont pas d'impôt sur le revenu. Par rapport aux autres îles des Caraïbes, les Bahamas sont relativement les moins chères en termes de coût de la vie. Toutefois, il est important de noter que l'infrastructure médicale du pays doit être prise en considération. Les Bahamas offrent un large éventail de styles de vie et répondent aux différents profils des personnes qui souhaitent y vivre. Le revenu nécessaire pour bien vivre aux Bahamas peut varier en fonction de facteurs tels que le niveau de vie souhaité, la localisation dans le pays et les préférences personnelles. Pour vous donner une idée générale, le coût de la vie aux Bahamas est relativement élevé par rapport à d'autres pays. Le loyer, les services publics, l'épicerie et les dépenses de santé peuvent peser lourd dans votre budget. Il est conseillé d'avoir un revenu stable et suffisant pour couvrir ces dépenses confortablement. Bien qu'il n'y ait pas de conditions de revenu spécifiques pour vivre aux Bahamas, un revenu régulier d'au moins 40 000 à 60 000 $ par an peut assurer un mode de vie confortable. Toutefois, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une estimation approximative et que vos besoins et objectifs financiers spécifiques peuvent être différents. Il est essentiel d'étudier et d'évaluer votre propre situation financière, en tenant compte de facteurs tels que le coût du logement, les soins de santé, les transports et les autres dépenses quotidiennes. La consultation de conseillers financiers ou d'experts connaissant bien les Bahamas peut également vous apporter des informations précieuses adaptées à votre situation particulière. En fin de compte, il est essentiel de s'assurer que vos revenus sont suffisants pour vous permettre de mener le style de vie que vous souhaitez et d'atteindre vos objectifs financiers tout en vivant aux Bahamas. Pays 2. Singapour. Si vous recherchez une vie stable parmi des gens ordonnés, Singapour est la solution. Singapour est également connu sous le nom de « Fin City » en raison de sa réglementation unique. Le coût de la vie y est élevé, en particulier en ce qui concerne le logement. Pour vivre confortablement à Singapour, il est recommandé d'avoir un revenu annuel d'au moins 80 000 à 100 000 $, voire plus, en fonction de vos préférences en matière de style de vie et de la taille de votre famille. Pays 3. Hong Kong. Hong Kong. Cet endroit est l'un des centres de restauration et de divertissement les plus populaires d'Asie. Même s'il ne s'agit pas d'un pays exempt d'impôts comme les Bahamas, Hong Kong offre l'un des systèmes fiscaux les plus favorables au monde, ainsi que de nombreuses possibilités d'investissement. Le coût de la vie à Hong Kong est relativement élevé, surtout en ce qui concerne le logement. Un revenu annuel d'environ 50 000 à 80 000 $ ou plus est souvent conseillé pour un niveau de vie confortable. Pays 4. Le Mexique. Quelles sont les raisons de commencer une nouvelle vie au Mexique? Son climat chaud est magnifique et le faible coût de la vie n'en sont qu'une partie. Les Mexicains sont accueillants et il est temps de mettre de côté les idées reçues sur les cartels. Commencer une nouvelle vie ici signifie que vous recherchez une vie plus aventureuse et flexible sans trop vous éloigner de la frontière américaine. Le Mexique offre un coût de la vie moins élevé que les deux pays précédents. Avec un revenu d'environ 20 000 à 40 000 $ par an, vous pouvez jouir d'un mode de vie confortable au Mexique en fonction de votre situation géographique et de vos choix de vie. Pays 5. Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, ou OAE, ne sont pas seulement populaires parmi les pays de l'Est,
les personnes du monde entier ont décidé de commencer une nouvelle vie dans les eaux, en particulier à Dubaï. Le coût de la vie aux Émirats arabes unis, en particulier à Dubaï, est relativement élevé, notamment en ce qui concerne le logement et les soins de santé. Ils offrent une qualité de vie élevée et des politiques fiscales favorables. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce niveau de vie élevé a un prix. La location d'un studio moyen dans un bon quartier coûte environ 5 000 $. Les Émirats arabes unis, sont un pays situé au Moyen-Orient, sur la côte orientale de la péninsule arabique. Il s'agit d'une fédération de cet émirat, Abu Dhabi, la capitale, Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah et Fujairah. Les Émirats arabes unis sont réputés pour leur politique fiscale favorable, aucun impôt sur le revenu n'étant imposé aux particuliers. Cet aspect les rend attrayants pour les personnes à la recherche d'avantages et d'opportunités financières. Pour vivre confortablement aux Émirats arabes unis, il est généralement recommandé de disposer d'un revenu d'au moins 70 000 à 100 000 $ par an. Pays 6. Indonésie. L'Indonésie offre une vie paisible sous un climat tropical. Ce pays est idéal pour commencer une nouvelle vie qui vous permettra de renouer avec votre paix intérieure grâce à la beauté de la nature. Bali est l'île la plus populaire d'Indonésie et le coût de la vie y est relativement bas. Si vous venez des États-Unis ou d'Europe, vous profiterez certainement des avantages de votre monnaie nationale. L'Indonésie offre un coût de la vie inférieur à celui de nombreux pays occidentaux. Avec un revenu de 15 000 à 30 000 $ par an, vous pouvez jouir d'un mode de vie confortable en Indonésie, en profitant des taux de change favorables pour ceux qui viennent des États-Unis ou d'Europe. Pays 7. Jamaïque. La Jamaïque. Si vous mettez de côté le taux de criminalité assez élevé par rapport à d'autres endroits et le fait que tout ce qui a trait au gouvernement est assez corrompu, la Jamaïque est une destination étonnante. Vous pouvez littéralement disparaître du radar ici, savourer une pina colada fraîche sur la plage tout en écoutant votre musique préférée. Le coût de la vie en Jamaïque est modéré. Un revenu annuel de 20 000 à 40 000 $ permet de vivre confortablement, mais il est important de prendre en compte des facteurs tels que le coût des soins de santé et la sécurité lorsque vous planifiez votre budget. Pays 8. Pays-Bas. Les habitants des Pays-Bas comptent parmi les personnes les plus heureuses au monde. Cela peut s'expliquer par des politiques libérales et une bonne cuisine, accompagnée de boissons étonnantes. Sa capitale, Amsterdam, est l'une des destinations les plus populaires pour les expatriés. La plupart d'entre eux viennent ici à la recherche d'un emploi dans plusieurs services tels que la santé et le bien-être, le commerce, les transports, les affaires et la communication. C'est aussi l'une des destinations les plus saines que vous puissiez choisir. Le coût de la vie aux Pays-Bas est relativement élevé, en particulier dans des villes comme Amsterdam. Pour vivre confortablement aux Pays-Bas, il est souvent recommandé de disposer d'un revenu d'environ 40 000 à 60 000 $ par an, voire plus. Pays 9. Bermudes. Tout comme les Bahamas, les Bermudes offrent également une politique d'exonération de l'impôt sur le revenu. Toutes deux situées dans les Caraïbes, les Bahamas et les Bermudes sont similaires en termes d'ambiance, de beauté naturelle et de climat. Le coût de la vie aux Bermudes est d'au moins 2 000 $ par mois pour un appartement modeste, mais vous pouvez profiter d'un climat parfait. Sur les 65 000 citoyens des Bermudes, 15 000 sont des expatriés, dont la plupart travaillent dans le secteur financier. Le coût de la vie aux Bermudes est plus élevé, notamment en ce qui concerne le logement et les biens importés de l'étranger. Un revenu annuel de 70 000 à 100 000 $ ou plus est généralement conseillé pour mener une vie confortable aux Bermudes. Pays 10. Monaco. Cette ville-État est le pays le plus riche du monde. Vivre à Monaco signifie littéralement devenir le voisin de certaines des personnes les plus influentes du monde. Monaco est connu comme le paradis fiscal préféré des riches, et ce pour de bonnes raisons. Le climat est agréable, les événements de luxe sont nombreux, l'immobilier est l'un des plus chers au monde et les voisins partagent les mêmes idées. Si vous ne trouvez pas de maison à acheter, vous pouvez toujours acheter un yacht et vivre dans la marina de Monaco. Une liste d'endroits assez impressionnants, vous ne trouvez pas? Monaco est connu pour son mode de vie luxueux et son coût de la vie élevé. Pour vivre confortablement à Monaco, il faut disposer d'un revenu substantiel, souvent compris entre 200 000 et plusieurs millions de dollars par an, selon le niveau de vie souhaité. Conclusion. Il est important de noter que ces fourchettes de revenus sont des estimations approximatives et que les circonstances individuelles, les préférences personnelles et la taille de la famille peuvent avoir un impact significatif sur le revenu réel nécessaire à un mode de vie confortable.
Il est toujours recommandé de faire des recherches et de planifier minutieusement ses finances lorsqu'on envisage de s'installer dans l'un de ces pays. Si vous deviez tout quitter pour vous installer dans un nouveau pays, lequel choisiriez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Nous avons également sélectionné ces vidéos que nous pensons vous plaire. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage exaltant à travers les 10 meilleurs pays où commencer une nouvelle vie, prenons un moment pour réfléchir à la route qui mène à la richesse et au succès. Repartir à zéro dans un nouveau pays n'est pas seulement un changement de décor, c'est un mouvement stratégique vers un avenir plus radieux. Le temps est une ressource précieuse, et il est essentiel de l'investir judicieusement. La décision de déraciner sa vie et de prendre un nouveau départ nécessite une planification et une réflexion approfondie. Il est essentiel de se renseigner sur le paysage économique, les possibilités d'emploi et le coût de la vie dans la destination souhaitée. En comprenant les réalités économiques d'aujourd'hui, vous pouvez faire des choix éclairés qui correspondent à vos objectifs financiers. Bien entendu, l'établissement d'un budget joue un rôle essentiel dans la réalisation de vos rêves. S'installer dans un nouveau pays implique des dépenses telles que le voyage, le logement, les visas et l'établissement d'une nouvelle vie. En élaborant un plan financier et en épargnant avec diligence, vous serez sur la bonne voie pour une transition en douceur et une base solide pour votre réussite future. N'oubliez pas que s'engager dans un nouveau parcours de vie n'est pas sans défi, mais que les récompenses peuvent être immenses. C'est l'occasion d'élargir vos horizons, d'embrasser de nouvelles cultures et de libérer un potentiel inexploité en vous. Le monde est plein de possibilités qui n'attendent que vous pour être saisies. Alors, que vous soyez attiré par le paradis tropical des Bahamas, les rues animées de Singapour ou les paysages enchanteurs des Pays-Bas, prenez le temps d'explorer vos options, de peser le pour et le contre, et embarquez pour votre voyage en toute confiance. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et inspirante, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce et à vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus captivants. N'oubliez pas que vos rêves sont à portée de main. Il est temps de passer à l'action et de créer la vie que vous avez toujours envisagée. Jusqu'à la prochaine fois, restez motivés, restez déterminés et que votre chemin vers le succès soit rempli de prospérité et d'épanouissement. Ici le temps file, je termine en vous souhaitant le meilleur pour votre voyage vers une nouvelle vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et pour d'autres contenus passionnants, consultez ces vidéos recommandées. 10 destinations de rêve pour un nouveau départ.